pensais qu'il n'y a pas de magie dans le monde. Le challenge d'aujourd'hui sur Darada te fera réfléchir à ce sujet. Nous allons prouver que la magie existe. Nous avons un challenge mystérieux qui vous attend. Bienvenue et reste à l'écoute. Le comptage, c'est Samantha. Oh non, ce n'est pas juste. Mais je suppose que je dois le faire. Un, deux. Il est temps de se cacher. Il a de trouver là, moi. Parfait. Je pense que personne ne me trouvera ici. Qu'est-ce qui bouge encore? Oh, un araignée! C'est tellement poilu! C'est dégoûtant! Oh, c'est quoi ces boîtes? C'est si brillant et joli! Je préfère le rose. Alors, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Je crois que ça m'aspire! À l'aide! Eh bien, elle est temps de trouver ma copine. Et moi, je peux voir tes jambes. Tu peux te cacher mieux que ça. Où est Alice? Je ne sais pas encore, mais il y a une porte étrange. Peut-être qu'elle est là-dedans. Regarde, une sorte de clé. Il n'y a aucun moyen qu'elle ait pu entrer dans ce tout petit coffre. Ouvrons-le et découvrons-le. Comme je serai la première à découvrir ce qui m'attend dans mon coffre. Bizarrement, c'est vide. Où est le caca? Ah, un cafard! Elle est en train de ramper sur moi. Oh, allez. Écoute, elle n'est pas si effrayante. On dirait que le petit nounou. Oh non! Je sais ce que tu dois avoir faire avec lui. Non, je ne ferai pas. Regarde, elle est si effrayante. Tu l'as cette moustache. What? Tant que tu te prépares, je vais ranger mon coffre. Okay. Oh, j'ai de la chance. Regarde mon beau biscuit Oreo est grand. Génial. Wow. Qu'est-ce qui m'attend? Ok. Wow. Quelle baguette magique, magnifique et inhabituelle. Ce qu'elle fait. Comme c'est cool, je peux vous faire flotter dans l'air avec elle. C'est une super balade. Cool du tout. Ne recommence pas. Tu joues avec ta baguette. Je jouerai avec mon gros coquille délicieux. Please. Pourquoi tu me laisses pas prendre une bouchée? Non, je vais m'occuper moi-même. C'est tellement bon. Ah ouais? Peu importe. J'ai un plan de vengeance rusé et très désagréable. Qu'est-ce que tu dis quand ce cafard s'installe sur son biscuit? Oh non! Je ne dirais rien, le cafard est très mignon. Ah ouais? C'est bon, je vais quand même prendre ton biscuit. Laisse voler dans ma bouche. Hé, hey, honte à toi, voleuse! Le seul divertissement qui reste de regarder est ma tripoter en cafard. Come on! C'est drôle pour vous et pas pour moi. Oh non! Mais je suppose que je vais devoir le faire rapidement. Cool, bien pour toi, je savais que t'étais courageuse. Non, je veux pas laisser ce cafard s'envoler comme ça. Bien, Emma, tu devrais quand même le manger. Merci beaucoup. Oh, c'est horrible. Je pensais que nous étions amis. J'ai une idée. Si cette baguette peut faire voler n'importe quoi, alors elle peut faire voler les friandises jusqu'à moi. Regardez, il y a plein de bonnes choses là-dedans. Et c'est la fille la plus chanceuse de la planète. Oh, peut-être pas. Oh, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez cassé ma baguette. Puisqu'il y a tant de friandises à l'intérieur, je suppose que je vais manger ça. Oh, t'inquiète. Il y en a pour tout le monde. Eh ouais. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour un an. Je serai la première à ouvrir cette fois. Je pense que je vais me régaler. Totalement. Une bouteille entière de mon coca préféré. Oh, pourquoi si brusquement? Oh, vas-y, peut-être pour toi, Alice. Non, s'il te plaît. T'inquiète pas, c'est bon. J'ai de la chance et tout le coca est resté dans la bouteille. C'est
génial. Alors maintenant, je peux aussi ouvrir le coffre. Oh non! Oh non! M'ont-ils su quels aliments ressemblent vraiment à du caca pour moi? Je déteste les citrons. Hey, you! J'ai tellement de chance. Très chanceuse. Je me demande ce que je vais recevoir. Peut-être quelque chose de magique, j'espère. Oh mon Dieu! C'est un nuage de bonbons. Je n'ai vu cela que dans des dessins animés. Vas-y, bats les pattes. Non, je ne laisserai pas voler mes bonbons. C'est que à moi. Oh, j'ai du coup pas moi. Waouh, elle est si grosse qu'elle peut contenir autant de liquide. Je ne me sens pas très bien. Léché, reculez. Oh, horrible. Ça pue. Oh non. T'as pas appris les bonnes manières. Ce n'était pas tout. Voici la suite. Nous sommes sur le point de nous envoler à cause de tes grognements. Quelle horreur. Come on. Moins de paroles, plus d'action. Emma, pourquoi ne manges-tu pas encore? Parce que je déteste les citrons. J'ai une idée ce que je peux faire avec eux. Pourquoi je devrais m'étouffer avec ce truc aigre quand je peux faire un bon jus avec des citrons? Ben, je pense que ton jus aura un meilleur goût que les citrons eux-mêmes. Vous verrez par vous-même. Vous êtes juste jalouse de moi. Oh non! Hey, you! Quoi? Je suppose que vous aviez raison. What? Vous pouvez même garder cet acide dans votre bouche. Qu'est-ce que vous faites? C'est partout sur nous. What? Oui, c'est dégoûtant. J'ai même reçu dans les yeux. Come on! Je demande sur mes bonbons. Vas-y, un bonbon. Maintenant, j'ai plein de Skittles. Il y en a assez pour tout le monde. Non, pas du tout. C'est mon nuage, alors je ne devais pas le partager avec toi. Je suppose que je pourrais juste prendre. Je ne peux pas le faire. C'était à moi et c'est toujours le mien. Quand vous avez tout essayé les Skittles, vous serez d'accord pour dire que les bonbons sont géniaux. Qu'est-ce qui m'attend cette fois-ci? Cela semble quelque chose de vraiment cool à nouveau. C'est vrai, regardez comme le beignet est délicieux et coloré. Non seulement tu peux le manger, mais tu peux aussi jouer avec. Oh, je dois encore apprendre à l'attraper. What? Je me demande où vont les coffres. Mais pour l'instant, je m'en moque. Je ne pense pas que ce délicieux beignet. Oh, c'est délicieux. Donne-moi une bouchée. Non, pas question. Tu m'as fait mordre mon doigt. Maintenant, ça fait vraiment mal. T'inquiète, j'ai toujours un pansement pour de telles occasions. C'est génial. Merci beaucoup. Je me demande ce qui m'attend. Ok. Oh non, c'est un truc méchant. Je n'ai pas de chance. Je déteste les œufs de poule. Surtout quand ils sont crus. Qu'est-ce que je dois faire avec eux? Laisse-moi t'aider. Hey! Oh, désolé. Regarde tous ces œufs délicieux. Allez, il est temps de les manger. J'en ai tellement marre de vous. What? Regardez, il y a une poupée. C'est mon animal de compagnie. Je veux aussi un animal comme ça. Okay. Oh non, pourquoi je n'ai qu'un œuf? Parce que seules les bonnes filles obtiennent les poussins. Oh là là! Je me demande ce qui m'attend dans mon coffre. Je pense que c'est une sorte de bombe. Quoi? Une bombe? Nous devons nous cacher immédiatement. À l'aide! Peut-être je peux la désarmer. J'ai aussi des pinces coupantes. Oh, je pense que j'ai empiré les choses. Oh non! Les filles! Par terre! Wow. Regardez tous ces bonbons ici. Je pense que c'était une bombe de bonbons. Cool. Mon poussin a maintenant un frère dans un œuf en chocolat. Prince pour être la première. Oh non. C'est mieux de ne pas voir ça. Come on. Allez, ouvre-le déjà. Mais il y a un cactus. Je n'ai pas mangé de cactus. C'est piquant. Aïe. Oh non! Il y a des aiguilles partout dans ma bouche et je n'ai même pas encore pris une bouchée! Ne te plains pas, dépêche-toi de manger! Il faut d'abord se débarrasser de toutes les aiguilles! C'est vrai, au fait! Je peux me débarrasser de toutes les aiguilles! Je peux simplement les couper avec une paire de ciseaux!
Waouh, c'est une idée géniale. Ouais, j'ai toujours eu le cerveau droit. Waouh, c'est dégoûtant. Ça veut dire que les aiguilles ne sont pas le seul problème. Le goût est pire. Oh, Marie, compte à toi. Désolée. Vas-y, ouvrez vos trucs. Regardez toutes ces délicieuses crèmes glacées. J'ai hâte de manger ça. Arrête-toi là. Tu ne mangeras pas. Pourquoi? La crème glacée est ronde. Qui a de la nourriture ronde aujourd'hui? C'est à moi. Alors tu n'auras pas des ballons. Ce sont les miens. Ils sont si bons. Ah ouais? Reste avec moi. Voyons si la crème glacée peut supporter l'air chaud. Alors, t'as chaud? Je te mangerai bien de toute façon, mais la méchante Marie ne me laissera pas le faire. Alors, je vais devoir y aller à fond. Que s'est-il passé? Pourquoi la crème glacée a-t-elle fondu? Parce que c'est à moi. Tu vois ce cône triangulaire? Et toute la crème est dedans maintenant. Comme c'est bon. C'est délicieux. Eh oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu regardes, Chelsea? C'est la seule qui reste. C'est vrai. C'est de la chance. Quelle surprise. Regarde ce grand délicieux sandwich. Il y a tellement d'ingrédients à l'intérieur que tu ne peux même pas les compter. Le goût est excellent. Il fond dans la bouche. Qu'est-ce qui coule? Je pense que c'est du ketchup. Waouh, c'est tellement bon. Il faut que j'aille chercher tout en biche. Je sais comment faire. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Marie? Moi? Je ne veux rien. Pour arranger pour l'instant, mais le sandwich est à moi. Regarde ce que Clarissa a fait avec ta nourriture. À toi. Comment tu oses? Comment j'ose? En fait, le sandwich est à moi. Tu vois, c'est triangulaire maintenant. Alors, tu n'y as pas droit. Tu comprends? Alors, t'as décidé de commencer une guerre? Eh bien, il y aura une guerre. Voyons comment tu chantes maintenant. Quel sandwich? Il y a quelque chose qui cloche. À l'aide! Tiens, bois ça. Il y a de la sauce piquante dans la bouteille. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Elle saura comment prendre la nourriture des autres. Oh, les filles, je serai la première. Oh, regardez comme ce gâteau est délicieux. Come on! Qu'est-ce que j'ai, moi? What? Oh, des nouilles coréennes. What? C'est bizarre, mais ça doit être délicieux. Je vais avoir beaucoup de chance. J'ai dit ça. J'ai une grande et délicieuse pizza. Je dois manger en première. Stop! Tu vois que t'as des baies sur ton gâteau. Ils sont ronds. Cela signifie qu'ils sont à moi. Alors donnez-moi. Des baies? Ils sont ronds. Donc nous allons te regarder maintenant. Très bien, voilà les baies. Attrape-les. La boue est belle sur ton visage. Rigolez tant que vous voulez. Mais maintenant, toutes les baies sont à moi. Mais j'ai de la crème délicieuse. Et un gâteau tout aussi délicieux. En fait, il y a aussi des baies à l'intérieur. Mais je les ai déjà mangées. C'est vraiment bon. Marie, c'est ton tour. Oui, j'étais sur le point d'avoir très faim. Alors, ces belles tranches de pizza vont me servir. Des tranches? Ah oui, elles sont triangulaires. Tout ce qui est triangulaire est à moi. Alors, donne-moi ma pizza maintenant. Non, je le ferai pas. C'est à moi. Tu ne peux pas. Je te mets au challenge. Vas-y, donne-le-moi. C'est à moi. Non, à moi. Non, vas-y, toi. Oh! Pourquoi vous vous battez? C'est moi qui suis blessée, ce n'est pas juste. Mais la pizza est toujours à moi. Hey, you. Je me
me fiche de savoir à qui appartient la pizza. C'est à cause de toi, Marie. Comment tu oses? Tu m'as fait lâcher ma pizza. C'est bon, je vais te le donner. C'est parti, prends ça. Arrête, s'il te plaît, arrête. J'espère que ça a un bon goût. Ah! Maintenant, allons-nous tous nettoyer dans cette nouille. Non, c'est infini. What? C'est à qui la faute, Marie? Elle a tout cassé. Écoutez, ces nouilles sont plutôt bonnes dans cet état. J'aime bien. Ouais, elle mange des nouilles sèches. On ouvre les couvercles à 3, 2, 1. Yay, yeah, j'ai de la chance, j'ai des Skittles. Moi aussi, j'ai Ubba Booba. J'ai des carottes. C'est très étrange. Je suis d'accord. Mais après, je mangerai en première. Il faut juste se débarrasser des emballages d'abord. Je vais le faire de manière très élégante. Et je vais attraper les chewing-gums avec la bouche. Mais faire tout ça d'une seule façon extrêmement lieu. C'est pourquoi il est plus amusant de les lancer de différentes manières. Oh wow, t'es une vraie pro! Bravo! Merci les filles. Et ça n'est pas tout. C'est l'heure des bulles. Oh, c'est pas drôle! Et oui, à cause de vous, j'ai perdu mon chewing-gum. Oh, c'est tout dans mes cheveux. On peut même pas mâcher ça, c'est dégoûtant. C'est bon, c'est quand même cool. Marie, à toi de jouer. Enfin, j'ai rêvé des Skittles toute la journée. C'est une bonne chose que je sois la chanceuse. J'adore les bonbons, ils sont brillants et si délicieux. Au fait, pourquoi ne pas assurer que tout le monde voit à quel point les bonbons sont jolis? Soyez jalouse. J'ai tellement de bonbons. Et c'est vraiment, vraiment bon. Oh là là. Tu veux donc que nous soyons jaloux? Et bon, tu t'appelles Unaim? C'est bon, je sais comment te donner une leçon. Arrête! Oh! 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 Je ne voulais pas dire pour toi, désolé! What? Ce n'est pas grave. Mais maintenant, nous pouvons aussi essayer les Skittles. C'est vrai! C'est plutôt amusant. J'ai bien aimé. Mais Clarissa, t'as encore des carottes? Mange! D'accord, essayons. Regarde! Les carottes sont vraiment bonnes! Je comprends pourquoi les lapins et les lapines les aiment autant. Cool. Oh! Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi! Oh! C'était des carottes empoisonnées! Je suis le lapin maléfique et je mange tout! Pas seulement des carottes! Ah, attaque de lapin! Ah, des lâches, ce n'est qu'un masque! What? Bizarre, d'où vient la fumée? Excuse-moi. Je pense que ça vient de sous la couvercle. C'est vrai! Ce sont des gaufres belges fraîches! Qu'est-ce que vous avez là? J'ai de la pastèque. C'est énorme! J'ai un piment! Il est assez grand aussi! Oh, waouh, génial! Alors, tu vas commencer. Come on! Non, s'il te plaît, c'est tellement épicé! D'accord, j'espère que c'est bon. Ok. What? Ce n'est pas suffisant, moi encore. Non. Vas-y, vas-y, plus. Peut-être que c'est suffisant, je suis déjà malade. Cela semble même effrayant. Je suis en feu, à l'aide. Vas-y. Attention. Je pense que la crise est terminée. Et sans danger pour la santé. Oh, ma gaufre! Tout ça, c'est ta faute, Clarissa. Nous devons tout mettre dehors. Donne-moi cette pastèque. Wow! Qu'est-ce que je suis censée manger, moi, alors? Wow. Je me sens vraiment mieux. Tiens, finis ta pastèque. Il n'y a rien. Oh non, il en reste encore. Cool.
Cela signifie que je peux manger ma pastèque. Voilà, je suis la seule à n'avoir plus rien du tout. Il y a toujours d'autres challenges aussi fous à relever sur Darada. Reste à l'écoute, ça va être génial.